Cranky est un des plus grands. Cranky est un constructeur de yachts parmi les plus grands, les plus organisés et les plus innovants. Il construit des modèles de toutes tailles et a récemment recommencé à consacrer beaucoup d'attention aussi aux plus petites embarcations de sa gamme. Voici le E26 Classic. Je crois qu'ils ont vraiment bien fait de réaliser ce nouveau modèle. Les grands yachts suscitent toujours une forte admiration, mais ce bateau est si soigné qu'il est véritablement fascinant. Son style nous rappelle que ce chantier a 150 ans d'expérience. C'est un fait. Toutefois, en l'observant de plus près, on découvre que sa construction est loin d'être simple, car chaque élément doit être parfait afin de faire resplendir son élégance. Sa carène a été dessinée par Aldo Cranky et le projet est celui du Centre d'études et de recherche du chantier sous la direction artistique du designer Christian Grande. La coque de ce bateau ayant une étrave droite permet d'augmenter sa longueur de flottaison. Son style est contemporain et on y retrouve cependant un héritage des bateaux anciens. Au lieu du gel coat, vous pouvez choisir la peinture de la coque et du pont. Sur le pont de proue, des lignes essentielles dessinent le parcours pour débarquer et embarquer, mais vous pouvez éventuellement choisir de revêtir en teck le pont entier, à moins que vous ne vouliez ajouter un matelas bain de soleil. Dans le cockpit, teck et plancher en fibre de verre sont alternés et à l'arrière, la plateforme de bain en est entièrement recouverte. Une embarcation confortable pour 6 personnes. Le sofa du barreau s'étend le long du côté tribord. Les fauteuils sont pivotants. Leur forme, les tissus et les coutures des tissus d'ameublement mettent en valeur ce produit de luxe. Regardez ces accoudoirs. Le dossier du canapé, le bain de soleil. Une table à rabat, des porte-boissons dans le solarium et dans les poches latérales sont des accessoires importants pour le confort, mais pas autant que le pare-brise qui entoure tout le cockpit, et ce afin de limiter l'action du vent lors de grandes vitesses. Selon moi, les dimensions de la largeur du bateau sont intéressantes. Le barreau maximum est de 2,5 m. On peut ainsi le transporter aisément sur la route. Mais à l'intérieur, le cockpit est encore large et cet espace a été obtenu en réduisant l'épaisseur des côtés. Le bimini avec pare-soleil est caché sous le bain de soleil arrière et s'étend dans tout le cockpit. Avec un peu d'agilité, on descend sous le pont où nous accueille une cabine signée par des gens de bon goût et qui savent choisir et assortir les tissus d'ameublement et les couleurs pour rendre confortable même ce compartiment. La lumière passe à travers les hublots latéraux et surtout grâce aux trappes d'accès pour ventiler ce compartiment. Il y a aussi un réfrigérateur et des toilettes. Ce bateau est disponible avec 4 moteurs différents, 2 diesel, le D4 de Volvo Penta, calibré à 260 ou 300 chevaux, et le V6 Volvo Penta également, de 280 chevaux, mais écoutez la puissance d'un V8 de 350 chevaux. Ce moteur fait 5,3 litres, aspiration naturelle, injection électronique directe de carburant à haute pression et il est catalysé évidemment. À présent, quittons la lagune de Grado et partons naviguer en pleine mer.
Lorsque l'on a entre les mains un bateau à moteur comme celui-ci, on veut qu'il soit facile à conduire, et il semblerait que ce soit bien le cas ici. Un petit peu de gaz, 2500 tours minute, un peu plus de 10 nœuds de vitesse et on est en mode planage. Je n'ai pas encore utilisé les correcteurs d'assiette parce que le cabrage est minime et je vois clairement à travers le pare-brise. Les conditions sont idéales aujourd'hui pour n'importe quelle embarcation. Mais en réalité, même lorsque la mer est plate, vous percevez les défauts d'assiette minimes qu'une coque peut avoir, ou d'équilibrage du poids, parce que la surface est tellement lisse qu'elle met en évidence même les plus petits problèmes. La puissance est grande, mais la plupart du temps, on utilise ces bateaux aux allures de croisière comme celle-ci, 20 nœuds de vitesse. On consomme environ 30 litres de carburant, et même un peu moins, 28 litres en ce moment. L'angle d'incidence est de quelques degrés, et si vous préférez, par exemple s'il y a des vagues, abaissez donc un peu les flaps. De cette façon, on augmente la longueur réelle de la flottaison du bateau puisqu'il est immergé de l'arc à la poupe et son déplacement en sera plus stable. Les flaps ne sont pas utiles aujourd'hui, enlevons-les. À 4000 tours minute, ce moteur a un pic de couple, plus de 500 Nm. C'est donc peut-être l'allure idéale pour un V8. On est à 40 litres heure et la vitesse est de 27 nœuds. Et cette vitesse est idéale pour nous aussi. Lorsque vous rencontrez les sillages d'autres bateaux, celui-ci tangue en douceur. C'est une oscillation plaisante car vous sentez bien que vous êtes à bord d'un bateau. Jusqu'à 30 nœuds, il n'est pas nécessaire d'utiliser le trim, il s'équilibre tout seul. Et ensuite, comme je l'espérais, il est vraiment facile à piloter. Tellement facile que j'ai bien envie d'entendre gazouiller ce 8 cylindres. Et voilà, on est déjà au-delà de la vitesse maximale pour ce moteur qui est de 5800 tours minute. On est à 6000 tours minute. Le limiteur n'entre pourtant pas en fonction. Vitesse de 41 nœuds. Je n'ai pas encore relevé le trim, je le fais maintenant. Je libère un peu la proue de l'eau. On va le faire naviguer seulement sur les sections arrière et... bien, on récupère encore un nœud. Donc à cette allure, au maximum, et vous devez comprendre si vous êtes en sécurité. Oh, vous devez vous accrocher au gouvernail, au volant si vous préférez. Parce que la force latérale de l'accélération est vraiment remarquable. Quand je l'ai remis dans l'assiette, le moteur prend immédiatement ses tours et pousse vers l'avant avec une accélération digne des vrais bateaux à moteur. Ah, il est agile aussi en virage et contre-virage. Maintenant, la coque entre très peu dans l'eau. Cette condition le rend donc encore plus rapide dans ses déplacements, dans ses changements de direction. C'est très amusant. Je ne m'amuse pas autant en go-kart. Et maintenant, imaginez que vous ayez tout à disposition et que vous ayez aussi, disons, 100 000 euros environ. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Avoir cette somme d'argent déposée à la banque ou bien profiter du Cranky E26 classique? Ne me posez pas la question, vous savez bien ce que je répondrai.